Partout dans le monde, chaque population est porteuse de pratiques de construction et d'usages particuliers du logement. Ils sont fondés sur le mode de vie, le rapport au territoire et les moyens disponibles. Qu'ils s'installent dans les quartiers formels ou informels, les habitants s'appuient sur leurs habitudes culturelles, très différentes d'un pays à l'autre. On a des maisons qui sont construites en bois, réalisées par les habitants eux-mêmes, donc avec des conditions en termes de sécurité, de taille, qui sont assez problématiques souvent. Ou alors des maisons en briques, mais qui ont été construites il y a 20, 30, 40 ans, des maisons qui n'ont pas été entretenues et qui posent des problèmes de base sur des fondations, sur la toiture, etc. Et nous, on intervient sur des maisons donc, en bois et en briques qui ont été construites il y a très longtemps. La Mongolie, c'est une migration du monde rural au monde urbain. La yaourt est quelque chose, je dirais, de pratiquement parfait par rapport à une vie nomade. Donc on est sur une transition entre du nomadisme et de la sédentarisation, avec tout ce que ça veut dire sur l'intelligence de l'habitat. Donc c'est extrêmement dur pour des gens qui ont cette culture forte ancrée dans eux, ancrée dans la maison, d'imaginer autre chose. Au sein d'une même ville, les quartiers ont chacun leur spécificité. L'espace disponible, la proximité d'un cours d'eau ou l'accès aux matériaux vont conditionner les modes de construction. Une étude préalable, à la fois sur les logements existants et sur les habitants, est indispensable avant d'intervenir. On fait de la recherche dans ces quartiers précaires pour comprendre aussi le passé, comment ces quartiers sont apparus, d'où viennent les habitants, combien de temps ils comptent rester dans la ville, quels sont les liens qu'ils entretiennent entre eux, quelle est la vision de la ville par rapport à ces quartiers. Et toutes ces questions qu'on creuse nous permettent, nous, de mieux comprendre aussi notre approche et comment apporter des projets qui font du sens. Notre force, c'est de faire un travail au cas par cas. Et donc d'étudier chaque dossier spécifiquement en prenant en compte les difficultés de la famille, les revenus, les charges, etc. pour essayer de monter un dossier qui soit étudié pour le profil de la famille. Quel que soit le mode de construction ou de rénovation effectué, la participation des habitants est toujours sollicitée. Leur implication dans les travaux est un gage de réussite. Et malgré leurs faibles ressources, ils arrivent presque toujours à mobiliser des fonds. On est sur des taux de pauvreté extrêmes, donc à moins de 2 dollars par jour. Mais malgré tout, on arrive quand même à avoir des projets où les gens sont impliqués, tellement impliqués qu'ils arrivent à épargner de l'argent, à être fiers de pouvoir le faire, à pouvoir s'insérer, s'approprier les projets qui sont mis en place, à participer même des fois à hauteur de 30-40% financièrement, plus la valorisation qu'ils apportent en nature. Donc malgré ces taux de pauvreté extrêmes, c'est quand même assez remarquable de pouvoir voir ça. Ça, c'est assez phénoménal. Le niveau de participation financière ou en nature des habitants est un élément clé. Le calcul du montant de l'engagement et sa durée sont essentiels et souvent difficiles à déterminer. On a dû en effet s'adapter en cours de projet. Quand on a constaté le fait que certaines familles avaient du mal à épargner sur des périodes de 9 mois, on a dû réfléchir à des modalités. Donc on a raccourci la durée de l'épargne pour permettre aux familles de réaliser les travaux. C'était important pour elles de voir la maison et donc ça a marché. On a réussi à avoir plus de familles qui sont engagées auprès du projet parce que c'est un modèle économique qui les intéressait un peu plus. Au Sénégal, des systèmes d'entraide financière existent depuis longtemps, notamment à travers les tontines. Les partenaires sénégalais se sont appuyés sur ces expériences pour mettre en place un fonds pérenne destiné à l'habitat. Des prêts sont accordés par les groupements de femmes et les intérêts versés permettent à la trésorerie du fonds d'augmenter régulièrement. Mon rotatif, c'est qu'il y a une durabilité. Parce que le fonds est fait pour Anka. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons continué. Parce que la population est morte, la couche vulnérable est morte. Si nous avons dit que nous avons accédé à ce que nous avons pour que nous avons abalé. Nous avons abalé pour que nous avons délocalisé. Au-delà des exemples du Sénégal et de Madagascar, la capitalisation a posé quelques lignes directrices des interventions.
les partenaires de la FAP cherchent le bon équilibre entre l'amélioration du bâti, les habitudes culturelles et les moyens dont disposent les habitants. Dans tous les cas, c'est l'étude du contexte particulier dans chaque site, dans chaque quartier, qui permet au projet de trouver cet équilibre.